L'intérêt du GR441, c'est qu'on peut adapter ses étapes à ses envies, à sa forme physique. C'est-à-dire que dans la mesure où la veille, je m'étais trompé, c'est-à-dire que j'avais confondu deux GR, le GR4 pour le GR441 à Bessade, donc je m'étais rallongé d'une bonne dizaine de kilomètres. En partant de Peussade, donc pour la troisième étape, je ne savais pas trop où j'allais m'arrêter, peut-être Albi, peut-être plus loin, je ne savais pas trop. Bon, il se trouve que l'étape était facile et toujours aussi agréable, donc plus on marche, plus on a envie de marcher, plus les paysages sont beaux, plus on a envie d'en voir, c'est connu. Donc je suis parti de Peussade, je suis allé au lac Servière, qui à mes yeux un des plus beaux lacs d'Auvergne, en ce sens qu'il est dans un ancien cratère de volcan, donc c'est un mar, et qu'à l'est du mar, justement, on voit les eaux affleurent et on se trace une ligne d'horizon parfaite entre la terre ou l'eau, comme on veut, enfin entre la terre et le ciel. Parti du lac Servière, je suis allé à Olby, en passant par Arcival, qui est quand même un des must en matière d'architecture romane en Auvergne. Après, je suis allé à Olby, où il y a un arbre remarquable qui a été planté, un tilleul qui a été planté sous Henri IV. Comme j'étais en forme et qu'il faisait encore assez beau, j'ai poursuivi jusqu'à Mazaille finalement.